Bonjour, nous allons vous présenter donc l'option athlétisme qui a ouvert cette année pour la première fois au sein du collège Saint-Austreberte. L'objectif est de proposer aux élèves de 6e, 5e le mardi après-midi de 15h30 à 17h30 donc une activité complémentaire sportive qui est l'athlétisme. Les élèves auront l'occasion de découvrir les sauts, les courses et les lancers. Donc les sauts, ça peut aller de la saut en longueur au saut en hauteur en passant par le triple saut. Les courses, cela concerne donc le demi-fond, le sprint et les courses de haies que vous allez pouvoir voir après où les élèves évolueront, mais aussi donc les lancers plus tard dans l'année où nous réaliserons donc du lancer de javelot, du lancer de disque et du lancer de poids de manière sécuritaire mais amusant pour les enfants. L'un des objectifs de l'option est de aussi d'envoyer les élèves donc en compétition scolaire. La première aura lieu donc le 4 mai à Longnes, suivi aux alentours du 1er juin à Lens pour le régional. Et espérons-le, et moi j'y crois, plusieurs élèves à Valence pour les championnats de France qui ont lieu généralement aux alentours du 20 juin. Vous aurez l'occasion donc dans cette vidéo de découvrir des élèves en évolution sur deux activités que sont le saut en hauteur mais aussi donc les courses de haies qui demandent une motricité particulière et oublier sa motricité usuelle. Saut en hauteur, une course d'élan horizontal qui permet d'aller vers le haut. Course de haies, il faut courir le plus vite possible en franchissant donc des obstacles sans réduire sa vitesse, avec un certain nombre d'appuis imposés entre les haies et un franchissement un peu particulier. Deux autres objectifs. Donc le premier, ce serait d'emmener donc les élèves à participer à l'organisation d'un championnat de France cadet junior. Donc championnat de France qui se déroulera à Lens pour Luxel. Luxel, ce sont les établissements privés où tous les établissements de France remontent à Lens le 17 et 18 mai. Le dernier objectif sera d'emmener aussi les élèves le week-end sur des compétitions fédérales, à des championnats districts, départementaux ou régionaux, où ils affronteront donc d'autres athlètes de clubs, mais dont leurs compétences semblent à la hauteur du défi. Afin de permettre de réels progrès donc dans l'activité athlétisme, nous travaillerons donc dans différents points, que sont la coordination, la motricité propre aux activités, et tout cela en laissant un maximum d'autonomie aux élèves, en leur montrant donc les bases des activités. L'objectif, c'est vraiment d'acquérir chez les élèves une certaine autonomie, des répétitions de gestes, afin qu'ils puissent réinvestir leurs apprentissages dans les compétitions et les prises de performance à venir. Je m'appelle Bruno C, je suis élève de 5e au collège Saint-Austreberte de Montreuil-sur-Mer. Je pratique l'option athlétisme. C'est très complémentaire car à côté du collège, je fais du handball en club. Pour les compétitions à venir, je pense avoir le niveau. Ça sera un peu stressant, mais on va bien s'amuser. Dans l'option athlétisme, on fait différentes disciplines comme le saut de haie, le sprint ou le saut en hauteur. Parmi ces disciplines, je préfère le saut en hauteur car je me sens plus à l'aise. Je m'appelle Lizzie et je suis élève de 5e au collège Saint-Austreberte et je pratique l'option athlétisme. Hors collège, je pratique la gymnastique et je pratique du coup les barres asymétriques, le sol, la poutre et le saut à cheval. Et ceci me permet donc
d'avoir de bons entraînements avec l'athlétisme. Concernant l'option athlétisme, des compétitions sont à venir. Personnellement, je pense être prête, notamment dans la catégorie saut de haie. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis élève de 5e à Saint-Austre-Robert. Bonjour, je m'appelle Ambre et je suis élève de 5e. Depuis la rentrée, nous pratiquons l'option athlétisme. Et on aime bien tout ce qui est saut hauteur, saut de haie, tout ça. Donc on aura des compétitions à venir. Bon, on est un peu stressé, mais franchement, ça va. Personnellement, je pense être prête dans la catégorie saut hauteur. Moi, personnellement, je suis prête dans la catégorie saut de haie. Donc on croise les doigts pour que ça marche.